Madame la juge, t'es vraiment, vraiment, tu t'es mis dans la merde. Je peux te dire, tu t'es foutu dans la merde. Bataillon, nous te soutenons. Je sais que tu nous entends. Ouais. À tous les prisonniers qui nous entendent. Joël le Scornec, tu dois m'entendre et sache une chose. Tu dois trembler dans ta prison à l'heure qu'il est. Car tu es le plus grand pédant criminel de l'histoire de l'humanité. Tu seras jugé le 13 au 17 mars. Je serai là, et d'autres seront là aussi. Tremble dans ta cellule. Tremble. Tremble bien. Oh, le Scornec, on te protège. Tu dois être couru à Stan Maillot. Maintenant, partagez ça à Stan Maillot. Dans cette prison, cette maison d'arrêt, se trouve le plus grand pédocriminel de l'histoire de l'humanité. Oui. 350 enfants violés. Minimum. Prisonniers, minimum. Ça frappe pas de centaines, de centaines, de centaines d'enfants. Stan Maillot, sache que nous te suivons. Nous sommes des milliers et des milliers à te suivre. Les quatre coins de la France, le plus grand pédocriminel de l'histoire de l'humanité est enfermé ici. L'histoire de l'histoire est enfermé avec Stan Maillot, le défenseur des enfants. Stan Maillot protège les enfants et les mamans de 4 ans de prison avec des milliers d'euros de vente. Il faut qu'ils sachent une chose, madame la juge. Vous êtes ton complice. On vous a vu rigoler. On n'est pas avec. Protège cet enfant 4 ans en prison. Ça ne se fait pas du tout. C'est un processus. Il est temps que les gens soient au courant. Partagez, oui, partagez, prisonniers. Libérez Stan Maillot. Libérez Stan Maillot. Libérez Stan Maillot. Eh oui, les juges sont dans le même réseau. Nous avons l'ordre des médecins qui a la complicité à garder Joël le soir avec, à part la pédocriminalité et à part les réseaux. Ce n'est pas un complot, c'est une réalité. Sans en 2020, on est venu de Marseille, de Toulouse, d'Angers et d'ailleurs. De Paris, de Suisse, les gens ont fait de la route. La justice protège les pédophiles. La justice protège les pédophiles. La justice protège les pédophiles. En pas cette complicité de merde. Ce monsieur Stan Maillot est un ange gardien. Il a voulu sauver les enfants. Résultat, il a pris 4 ans de prison avec des milliers d'euros d'amende. Stan Maillot, si tu nous entends, diamant, diamant, putain, diamant. Regarde,